Donc on va continuer pour ce séminaire, dont j'ai le plaisir d'inviter Valère Novarina, qui écrit beaucoup pour le théâtre en particulier, et à qui j'ai proposé quelques pistes, quelques questions, qui pourraient regrouper des préoccupations qui sont celles d'un écrivain et celles d'un musicien à la lecture de ces textes. D'accord, donc avant les questions, là, je voulais entrer dans un... faire une lecture d'une dizaine de pages, d'une sorte de journal, journal de bord, notes d'atelier, enfin de documents très bruts qui s'élaborent pendant le travail, et parfois j'en ai fait des textes, et parfois ils y sont restés tels que. Alors c'est une rumination. Alors vous serez peut-être patient pendant les 10 pages. Il y a des notes très anciennes et puis des très récentes. Je commence par des choses d'il y a une dizaine d'années. Prévoir des nappes pour mettre le soir sur les tables. Les machines seront recouvertes la nuit, houssées. Travailler en dispersion, distraction, par les bandes, sans perspective, aux 3 tables, aux 3 machines à la fois. Perfectionner l'aménagement du ring et les horaires de la scène. Les épisodes languiers, les maintenir courts à force concentrée. Et il est bon d'avoir au pied des sabots pour rythmer, bon d'avoir des sabots pour marquer le rythme des pieds. Écrit un matin du 23 juillet avec dans la cheminée un feu d'enfer. Travailler la musique, intervertir, rallonger, raccourcir, déplacer, joie dans la musique, en avant la musique. Déplacer sans cesse, intervertir, tout placer toujours dans l'espace, pas dans la tête. Le travail débute par un examen minutieux des miettes chutées du livre précédent comme des copeaux ramassés sous l'établi. 4 mots sur une feuille, des presque rien, des bribes, et une prolifération commence, une floraison des choses elles-mêmes. On est en face, on est face à des rébus incompréhensibles, des choses de rebut, face à une matérialité mystérieuse. Je ne jette rien, j'amplifie tout. C'est un ramassage, un exercice d'humilité, au sol des mots. Et puis, mais parfois rien ne bouge, tout est mort pendant des semaines. Et puis le livre commence à respirer, avancer de manière arborescente, comme par un travail printanier. 1 devient 2, 4 devient 8, 16 devient 32. On multiplie et on empire. C'est un mouvement d'expansion selon les lois du désordre vivant de la nature. On est au travail dans les figures brisées du kaléidoscope. On multiplie, on disperse pour faire apparaître le 1. Tout commence méticuleusement par des rangements, des scrupules qu'on examine d'infiniment près, parfois jusqu'à la stérilité rituelle. Au début, c'est au crayon. 4 pauvres pages et tout est déjà là. Le flot gonfle, vient une ivresse, une auto-sécrétion. On entend dans la tête 1000 langages sous les langues, procédés par prolifération, écartement, parenthèse, apparition d'une chose sous l'autre, insert, lapsus perpétuel, relecture qui rebondissent. Chaque mot ouvre sur une scène et s'écartèle en espace. Le livre pousse comme une végétation. Il y a des séquences refaites 50 fois et il y a des blocs laissés tels quels d'un trait dans la violence de l'apparition. Ensuite, je travaille au mur. Le texte est assemblé en grands rouleaux puis affiché à la verticale. Je travaille en couleur, dans l'espace, au milieu du texte, en banderole, en grande guirlande. Je me promène dedans. J'écris en arpentant le livre. Il est comme peint. J'ai eu souvent l'impression, en tournant et retournant dans mon livre, d'avoir changé vraiment de lieu, d'avoir quitté une scène reconnue et d'inventer la littérature pariétale. On change un seul mot, et c'est comme une minuscule tache d'une couleur nouvelle qui vient faire résonner autrement tout l'ensemble chromatique.
J'écris aussi parfois au croisement des paroles, sur le mur, face à la paroi et très près. Je ne vois pas, je touche. Tout commence dans l'obscurité, dans le travail souterrain du toucher de la langue. Le livre procède d'une expérience tactile. Quand ça avance, on est pris par une respiration, on est nagé et on a la sensation physique d'entendre une voix. C'est quelque chose de touché. Il faut aller dans la matière, se noyer et la comprendre par-dedans. Les vraies pensées naissent en touchant. Il y a du spirituel dans les mains, enfoui dans la matière. La pensée vient nous délivrer. L'esprit n'est pas le contraire du corps, mais quelque chose qui sort de lui, volatile. Il y a un lien invisible, un passage non vu entre les choses. J'aime prendre les pensées dans les mains. Je suis un écrivain pratiquant. Devenir le capteur de tout, celui qui est ouvert, offert. Il y a un enfoncement du sujet, annihilé. Au fond est notre brèche. Là nous attend la joie de disparaître sous toutes les formes. Je suis depuis longtemps à la recherche de quelque chose comme un art lyrique sans moi. Ne plus être homme, mais un qui émet sans cesse des figures humaines, des sons visibles, des tâches rythmiques, des danses sans voir, des pensées sans savoir, des signaux sur les murs. Chaque livre commence par la scène de l'écartèlement de l'homme et de l'espace qu'il y a dans le moindre mot, et il s'achève souvent par un vol sans fin, une fugue de verbes, l'entrée de 2587 personnages, un estuaire de 1708 rivières. Ce sont des figures pour sortir du temps. À la fin du discours aux animaux, 1111 noms d'oiseaux inventés. 1111, le bégaiement du 1. Nous avons été éveillés et séparés par la parole, sexués et ouverts. La parole nous a fait apparaître. Toute notre section vient de là, toute notre joie. Tout nous vient de ce coup reçu. Je désire le vertige, un tournoiement sans fin, un temps qui attend un autre temps. Le spectateur et l'acteur sont ici ensemble, dans l'instant suspendu. Ils guettent, ils vont partager un surgissement. Je cherche l'écriture à la source, le langage à l'état natif. Le jardin de reconnaissance doit beaucoup à la musique arabe, à l'écoute de la variation. Mais variation est un mot pauvre en français. Il ne signifie que changement mobile, variété. Je lui préfère l'allemand « Veränderung », où l'on voit mieux comment le même revient en autre, par renouvellement marin et comme par action du verbe « autrer ». Des volutes, des cercles respiratoires. Il y en a chez Oum Kalsoum, chez Bach, mais aussi dans le lambris que Clément creusa au mur de sa cellule en haut, en bas et en relief, avec le manche d'une cuillère cassée et un tesson. Devant le mur de Clément, comme à l'intérieur des variations canoniques, on entend quelque chose apparaître à l'envers. Apparition et disparition vont d'un souffle, et les choses vous surgissent à l'oreille comme dans une vue négative. Ici, l'espace se donne et se retire. Ici, la pensée ni en même temps qu'elle affirme. À l'origine du temps, l'inquiétude. À l'origine de la marche, le déséquilibre. Toute la caverne du corps résonne. Les mots creusent et tressent une fugue. Ils descendent par la danse dans la matière même de la pensée. Tous les chanteurs savent bien que pour chanter, ce qui importe le plus, c'est la juste position des pieds sur le sol. Et prendre du plancher toute la force. Le temps est la matière du théâtre, l'étoffe à travailler, tissée par les acteurs, par leurs paroles, leurs silences, leurs syncopes, leurs retours et leurs sauts, leurs éclipses, leurs ralentis et leurs précipités. Le temps est une étoffe qu'il faut travailler, coudre et découdre. Il faut aller profond dedans, avec les mains, l'aérer, la renverser et l'ouvrir.
y percer de nouveaux raccourcis, tracer de nouvelles ambulations, de nouveaux passages non vus. On se rassemble ici pour sortir de la convention admise, de la psychologie ambiante, de l'histoire qu'on croit, de l'homme reconnu. Dans l'espace, en face de nous, entre un homme, mais c'est un autre animal sur un autre sol. Tout au fond, la matière est rythmique. Tout au fond, du fond de la matière, il y a phrase, phase, période, syntaxe, retournement respiratoire et aventure du vide. Jusque dans la matière même, le verbe est agissant. La manipulation des chiffres ouvre au surnaturel. Le drame avance en zigzagant, comme dans le rêve, par alternance, scène contre scène, entrée d'une personne, entrée d'une antipersonne. Les personnages s'aventurent aux lisières. Chaque scène doit aller non à son dénouement, mais à sa perdition. Progression par vagues, par nappes, les scènes comme s'éboulant les unes dans les autres, se déversant dans la pensée, l'une comme cédant à la poussée de la suivante et l'instant non prévu, les scènes comme étant mues par le temps et non par le drame, gravitationnelles, les scènes se succèdent non par le tissage et le lien, mais par l'effondrement de l'espace. Il faudrait atteindre l'intensité dense et la surprise du rêve. Le texte doit être de plus en plus profondément tissé d'un tissage par ellipse, surtransition, force centrifuge, conjonction d'un temps, attraction, cheville rapide, action vite dite, drame cousu de fil blanc, microdrame. L'action est agie par enchevêtrement, aller au plus près du final et de la catastrophe des choses, procéder par bondissement causal, sauter par surjet à grand fil la texture temporelle. Écrire est proche de la couture. On répertorie et on radote. On relie patiemment des points et l'audace vient de la régularité. Les écrivains ont à examiner de très près le vocabulaire de la couture, du tressage, et à en répertorier minutieusement les points. Et surtout à se souvenir que le plus important dans la couture, c'est la façon de pratiquer les liens, mais surtout les sauts. Les acteurs qui brûlent bien les mots jusqu'à la cendre rendent le temps inattendu, à horaire, indivisé, circulaire, pulsif. Ils nous restituent le temps en volute et en bouffée, en nourriture et en rien, offrande de la parole. Syncope du personnage. L'esprit respire. L'opaque de la matière est renversé par la respiration à chaque minute. Au fond de la matière même est le mystère respiratoire, dépense et offrande. Tout rythme matériel ou spirituel vient de ce désordre ordonnant, de cette pulsation d'antinomie, de ce tissage contradictoire. La respiration est l'équation d'origine, une croix du temps, une passacaille étoilée. Elle nous emporte, nous passe, nous rend à la réversibilité, à la résurrection, au point de renversement, au neutre souverain. Le même point neutre d'énergie et de renversement qui est au cœur de l'espace est au fond de nous. L'univers n'est pas seulement devant, il bat à nos tempes. Ne plus reconnaître l'espace, entendre le temps couler à l'envers, raconter l'histoire de cet étourdissement. Chaque jour, autour de nous, le langage perd un peu plus son volume et la pensée sa respiration. Les détours respirés, les chemins de traverse, les courbes sont interdites, tout va vers le linéaire. La phrase à 7, 5, 3 mots, le slogan, tout va vers une langue plate, uniforme, répétitive,
incapable de restituer le drame de la pensée, de développer ses volutes contradictoires. Par l'expansion universelle d'une pensée binaire, d'un rythme à deux temps, le manichéisme se répand et gagne tout, comme si notre pensée aujourd'hui et le langage humain avaient le souffle coupé, comme si respirer, aller au bout de la phrase, traverser la noyade, renverser les mots, retourner les sens, brûler le langage par notre corps et s'y perdre, nous était interdit. Tout doit être de surface, suréclairé, sans ombre aucune, sans volume, présenté sous son meilleur jour et toujours à vendre, avec étiquette, mode d'emploi, prix et résumé du contenu. Une goutte d'eau. Accord. Vol sur le temps. Portée du temps. Les acteurs bien accordés sont immobiles sur le temps juste, comme une compagnie de mouettes posée d'un trait sur la vague, comme les mouettes le sont par la mer. Ils sont soulevés par la pulsation du temps juste, la houle respiratoire, le profond battement. Ils se meuvent en repos. Ils reposent sur la portée rythmique de la nature, sur une musique inaudible. Huit acteurs, bien accordés, posés juste sur le fil du temps. L'accord avec le sol est la toute première condition du chant, de la danse, de la pensée. Le corps sur scène tient dans l'espace et où qu'il soit, il est au centre, comme un fourneau qui brûle dans l'air le langage. La lumière vient d'une descente dans la matière, non de quelque chose de projeté dessus. La matière est devenue si dense qu'elle respire. Sensation de la portée du temps sous notre corps et perception d'un double remous, envers d'un tourbillon. Comme des copeaux ou des oiseaux sur la mer, les acteurs sont juste posés sur le temps comme si le temps n'était qu'un fil et qu'il suffise pour être rythmiquement juste de se poser sur le temps déjà là, immobile et en déséquilibre. Le temps était là que personne n'avait vu. Les acteurs ne fabriquent pas un rythme, n'adoptent pas un tempo. Ils se posent simplement sur le temps juste. Par leur accord, le temps est rejoint d'un trait. Le verbe délivre les mots. Par le souffle, l'esprit de la matière est délivré. Dans ce mouvement de marée qu'il y a perpétuellement dans notre corps et que dans ce mouvement de marée qu'il y a perpétuellement dans notre corps et que nous oublions toujours, il y a cet écho annonciateur, cette crue, cette séquence à l'envers du temps, ce ressac, ce retrait et cette avancée, ce mouvement liquide, ondulaire, où apparaît la spiritualité matérielle de la respiration. La respiration nous offre vivant. L'espace est le seul récitant. Gravitation des attractions. Le temps est optique, perspective latérale ou anamorphe. Découverte et construction d'une séquence, d'une séquelle, d'une suite par logodrame agencé. Agir sur des cellules toutes petites, liées en discontinu. Loghème, logaèdre, biologème s'alternant. La matière du temps contre l'esprit du temps. Tout doit devenir auriculaire et venir par le toucher. Le langage se comprend enfin comme quelque chose que l'on prend dans sa main et avec quoi le contact est d'intelligence tactile. Nous comprenons non parce que nous saisissons, mais parce que nous sommes touchés. Toucher le langage comme un point source. Optique des forces. L'action est rythmique.
La parole est agie par le drame de l'espace, la métamorphose, la transfiguration, l'action rythmique, la phrase que prononce l'espace. D'acte en acte, le drame de l'espace empire. Et à la fin, il n'y a plus de coordination, plus de lien, aucune cheville, plus de liant. Il faut sauter d'une chose à l'autre, tomber en catastrophe. Tout s'achève en fugue ouverte, car rien n'ouvre plus que la fugue. Un contrepoint où tout se rejoint et s'ouvre, l'espace se sépare, le temps se déplie. Ils se croisent l'un l'autre, s'enlacent et donnent vue sur d'autres espaces et d'autres temps. Je dois toujours finir par cette libre figure de ramification ouverte. La musique ouvre l'espace où se joue la pensée. Alors, il y a quelques figures qui apparaissent dans ce que tu as dit et dans ce texte, mais qui apparaissent aussi dans plusieurs d'autres textes sur lesquels j'aimerais bien qu'on revienne. C'est par exemple celle de la réversibilité. Chez nous, musiciens, j'en ai parlé un peu, la réversibilité est quelque chose qui s'est perdu à une époque, à l'époque du classicisme, et qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une figure qui est jouée en réversibilité, en musique, ne ressemble pas forcément, on ne lui voit pas forcément des airs de familiarité avec la figure originale. Elle peut déboucher sur quelque chose de tout à fait différent. La réversibilité joue aussi, pas uniquement dans le domaine temporel, mais dans le domaine des hauteurs, c'est-à-dire qu'il y a une forme classique de la polyphonie qui s'appelle le contrepoint renversable, qu'ont utilisé beaucoup de gens comme Bach, par exemple, l'art de la fugue est basé là-dessus, dans lequel on imagine des constructions musicales dont les voix peuvent, on peut avoir la voix A, B, C, mais on peut avoir la voix B, A, C, C, A, B. L'une peut se trouver au-dessus, l'autre peut se trouver au-dessous, et la même cohérence est respectée. Qu'est-ce qu'il en est dans la réversibilité pour l'écriture ? Oui, comme tu m'as posé cette question hier, j'ai eu le temps de réfléchir et je me suis dit, est-ce que c'est bien le mot versibilité qui convient ? Est-ce que moi, je n'aurais pas dû utiliser peut-être revers, renversement, retournement, etc. Et alors, figure-toi que hier soir, je me suis dit, il faut que je tire ça au clair en lisant ce poème de Baudelaire qui s'appelle « Réversibilité ». Mais malheureusement, comme on vient de déménager, je ne l'ai pas retrouvé. Alors la réponse est certainement dans Baudelaire. Mais comment te dire ? Pour moi, la réversibilité, c'est le retournement aussi du positif en négatif. C'est toute espèce de procédé que je ressens dans la pensée que j'appelle le niement, qui n'est pas la négation ni, on s'arrête au négation. Le niement, c'est un processus de destruction, réapparition. Et il me semble... Pas comment dire. J'étais un jour en Allemagne avec un poète qui lisait un texte en allemand. Et puis je connais un peu l'allemand, alors j'essayais de suivre. Au bout d'un moment, j'ai renoncé et j'ai écouté comme ça sans plus chercher. Et j'ai eu une sorte de vision, d'image extraordinaire que la pensée renverse les mots. Lorsque j'étais petit, j'habitais à côté d'un stade, le stade municipal de Thonon-les-Bains. Bon, voilà. Alors il y avait une chose fascinante, c'était la course de haies. Et la course de haies, il renverse les mots. J'ai dit, mais Oswald, il pense et il renverse les mots. C'est-à-dire les mots ne deviennent pas des idoles avec des constructions mécaniques de mots, idéologiques, etc. Mais la pensée renverse tous les mots. Dans le fond, je pense que la pensée brûle les mots. Pas les détruit, mais les brûle. Il y a une sorte de combustion et de mouvement de niement et de réapparition qui existe. Et bon, je lis ça aussi à l'obsession centrale qui est dans le fond de tous ces textes, qui est la respiration. La respiration que je ne sais pas pourquoi, que je ressens comme un passage par la mort et une résurrection. Je pense que la vie nous est donnée et ôtée chaque 4 secondes. Enfin, j'ai vraiment cette forte sensation. Et l'idée que la respiration animale, la respiration des animaux et la respiration de nous, entre autres animaux, la respiration préfigure la pensée.
que la respiration meurt et renaît, et que la pensée doit détruire pour retrouver le mouvement, la phrase, la polyphonie. Et dans le fond, comme on a parlé hier, j'aurais pu parler de comment se terminent tous mes textes, les livres, chaque fois par une ouverture, une fugue, une polyphonie, ou alors tout d'un coup, une conscience de l'être là que vous avez été pendant 2 heures pour vous écouter. Enfin voilà, une espèce il y a des figures finales, il y a des figures formelles finales. Parce que la respiration, évidemment, c'est un mot qui est très important pour les musiciens, ben oui. Surtout pour les chanteurs, mais aussi pour tous les instrumentistes qui jouent avec le souffle. Et c'est quelque chose qui était au départ dans la musique, parce que je pense que le chant grégorien, par exemple, est une phrase qui a été basée sur la respiration, puisque c'est de la durée du souffle qu'on construit la texture musicale. Mais c'est vrai que, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans le cas de Wagner ou de Mahler, par exemple, on a des durées qui excèdent les possibilités humaines. C'est-à-dire qu'on a une durée qui s'impose, qui est presque une durée sublimée, mais qui est une durée qui ne fait pas partie du corps, puisqu'elle n'est pas tenable par le corps. Oui. C'est-à-dire ça marche. C'est pas un hasard si ces grandes durées-là sont jouées par les instruments à cordes, parce que les instruments à cordes sont les seuls qui peuvent tenir une durée, et surtout s'ils sont nombreux. Donc on peut donner l'illusion d'un son qui a une respiration presque infinie. C'est un problème. La respiration est tellement au centre du travail de l'acteur, elle est tellement au centre qu'il faut, dans le fond, pas en parler. Ce qui est au centre, on fait mieux d'en parler par les voix. Mais cependant, j'ai lu beaucoup de textes d'acteurs, et en particulier des textes de Sarah Bernhardt, L'art du théâtre par Sarah Bernhardt, et elle dit, c'est très intéressant, qu'il faut reprendre de l'air tout le temps sans que le public s'en aperçoive. Et j'en ai parlé à un acteur, je lui ai dit, tiens, Sarah Bernhardt dit ça, André Macomb, il m'a dit exactement comme une cornemuse. Oui. Parce que si tu reprends publiquement tes respirations, si tu montres là où tu respires, tu es en position de faiblesse et ils vont aussitôt penser à autre chose. Il y a une sorte de capture des gens par l'hallucination, par l'hypnose du souffle, si tu veux. Donc tu dois tout le temps. Ils ne doivent pas savoir où tu respires. Disons, la magie, l'hypnose est de là. L'hypnose aussi dans des énumérations sans fin. C'est pour ça qu'il y a des techniques qui viennent de, je pense, de la musique asiatique, mais qui sont arrivées en Europe assez récemment. Alors pour les instrumentistes à les bois, quoi, les clarinettes, les saxophones, et puis aussi les cuivres, c'est ce qu'on appelle la respiration continue. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui font que des musiciens arrivent à souffler, à produire de l'expiration, tout en regonflant leurs poumons par une respiration. Et donc ça fait une circularité, et comme ça ils peuvent entretenir une respiration, enfin une note vraiment très très longue. Ça, c'est encore assez récent. Sarah Bernhardt, oui. Une autre chose qui me semble importante aussi sur laquelle on pourrait parler, c'est l'idée des sons du langage et de la musique, et même, je dirais, l'idée des mots. J'ai toujours eu dans l'idée qu'un poète ou un écrivain prenait ces mots dans ce qui existe. Alors on peut, comme tu le fais souvent, faire des néologismes, inventer des mots, on peut prendre de ces mots, mais ça vient aussi dans le fait qu'on associe des mots entre eux dans une association qui n'est pas du tout une association commune. Et c'est comme ça qu'on crée de nouvelles images. Et je pense que, pour moi, ça me semble être un corrélat avec les musiciens, les compositeurs. On utilise des sons, par exemple, sauf si on utilise des sons de synthèse, c'est-à-dire des sons traditionnels, des sons d'instruments, des sons de voix, on les utilise, mais dans un contexte qui n'est pas le contexte. On fait des mélodies qui ne sont pas des mélodies qu'on a dans le contexte culturel existant. Et donc, c'est un rapport entre ce qui est connu. On utilise des éléments connus, mais c'est l'ensemble et la manière dont on crée des relations nouvelles entre ces éléments qui peut créer la nouveauté, qui fait que finalement, on a toujours réussi à inventer de nouvelles mélodies depuis qu'on fait de la musique.
alors que le nombre de sons n'est pas infini. Mais c'est le nombre de possibilités de créer des nouvelles mélodies, je parle de mélodies, mais j'aurais pu dire aussi des rythmes et des harmonies, avec des choses existantes. Quelle est la proportion qui se joue entre ce qui existe au niveau des mots, c'est-à-dire le langage courant, et la manière dont on les réassemble pour créer de nouvelles images? Je ne sais pas bien comment répondre. Si vous, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots inventés, mais ils sont jamais inventés laborieusement, ils surgissent comme ça, comme si c'était là, et souvent je suis obligé d'interroger les gens pour savoir s'ils existent ou non. Je ne me rends pas compte du coefficient d'invention dans mes textes, enfin pas dans ces textes théoriques, mais les autres. Mais c'est vrai que, surtout au début, là, quand je me mettais à mes feuilles de papier, mon crayon, c'est des choses très incompréhensibles qui s'écrivaient, et disons, les mots du français trouvaient leur place peu à peu. Mais c'était d'abord purement des battements. J'ai lu ce petit passage, c'était en 71, je ne sais pas quoi, où je faisais dans mon chalet, je faisais un feu et j'avais des sabots pour taper sur le sol. C'était le côté percussion aussi de l'écriture qu'on avait avec la machine à écrire. La machine à écrire, c'est une percussion, dans le fond. Mm-hmm. Et l'ordinateur, ce n'est pas une percussion, c'est autre chose. Donc on a perdu encore là un peu de matérialité. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de néologismes? Oui. Le Niemann, le Maccabia, je ne sais pas quoi. Enfin, moi, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Roséliane, tu aurais quelques néologismes? Non. J'ai une actrice qui est là qui pourrait... Daniel Znick avait une phrase curieuse tout d'un coup, et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette réplique? Les ours memblons des Bernardines à action nous font peur. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Je lui ai dit, écoute, c'est rien, mais ça fait peur. Voilà. Ça fait peur, non? Ça te fait peur? Les ours memblons des Bernardines à action nous font peur, non? Oui. Je suis terrorisé. Non, mais... Oui, j'ai une phrase... C'est la notion de compréhension qui est derrière, c'est-à-dire que... Mais j'ai l'impression qu'il y a... hier, je voyais... Oui, hier ou avant-hier, Marcon reprend 30 ans après le discours aux animaux, il y a des choses du texte que j'ai aimé vu, qu'il y a presque perpétuellement un langage sous le langage. Il y a un langage comme ça apparent, il y a le langage dessous, et parfois les gens sont plus avec le langage du dessous que le langage du dessus. Il y a vraiment des strates, c'est assez curieux à observer. Et le public, parfois, de façon à comprendre d'être très lumineuse et incompréhensible la pièce, mais en suivant un fil rythmique haute, je ne sais pas quoi, c'est assez mystérieux. Et quelqu'un un jour, on m'a dit de mes textes quelque chose qui m'a beaucoup plu, il m'a dit que ça ressemble beaucoup aux conversations dans les bistrots, où les gens parlent avec des mots sous les mots. Souvent, j'y vais pas trop dans les bistrots, mais en Savoie, j'y vais, mais ici, non. Donc, je sais pas, il y a un deuxième récit sous le récit, il y en a peut-être un troisième, il y a les étages du langage, la polyphonie du langage, que l'image de la mécanique de la communication est tout à fait fausse, et quand on fait l'expérience du langage, c'est avec le langage enfantin, le langage préutérin, le langage du rêve. On fait des expériences du langage dans la nuit, dans l'enfance, tout le temps, et le langage n'est pas que pur... Moi, je lutte contre toute représentation mécanique et plate du langage. Je pense que que toute représentation du langage sur une feuille, avec signifiant, signifié, inconscient par-dessous, bon, sur une feuille est fausse, que le langage... est en volume, comme la musique dans le fond peut-être. Le langage, il agit en volume, dans le volume de cet espace où on le met, dans le volume de notre corps, dans le volume de la scène, dans le volume du livre. Il est très beau qu'en français, on ait le mot volume pour dire un livre. Donc l'idée, et un livre, tu commences par le saisir et puis tu l'ouvres comme deux poumons. C'est très beau cette idée. Et l'idée que les livres sont rangés comme des pierres tombales dans la bibliothèque et que tu vas les ressusciter un à un en leur prêtant ton souffle, même si tu ne lis pas à haute voix. Tu sors tout d'un coup un livre, tu es peut-être le seul à le lire en Europe, tu lui prêtes ton souffle et il revit. Et avant, il est une pierre tombale. Mais est-ce qu'un livre est quelque chose qui est fait pour être lu du début à la fin? Ah. Ou est-ce qu'un livre est quelque chose pour être fait d'être lu entièrement dans l'ordre? Oui, je sais que moi, j'ai tendance à essayer de les lire dans l'ordre. Oui, je me sens coupable si je ne lis pas dans l'ordre. Et il y en a beaucoup que je n'ai pas achevé.
Mais on disait, oui, hier aussi, on parlait ça. Moi, les livres qui m'ont marqué, c'est les livres polyphoniques, enfin, les livres qui résonnent, les livres qui sont des constructions dans l'espace. Ulysse de Joyce, La Divine Comédie, la Bible. La Bible, c'est extraordinaire comme corps résonnant. T'as une phrase de l'Évangile de l'Apocalypse, t'as 18 citations des prophètes, des psaumes. Voilà. C'est un corps qui résonne. Et dans le fond, qu'à la fin, on ait connu un corps qui résonne et que tout le langage résonne, toute la musique résonne. Et une question que je me pose sur la musique, je ne sais pas très bien comment la poser d'ailleurs. Dans le fond, qu'est-ce qu'on... Si tu vois les yeux, ils peuvent voir 30 mètres. Il voit, ou 40 mètres, bon, voilà, c'est ses yeux qui bougent. Dans la perception de la musique, quelle est la longueur, quelle est l'étendue de ce qu'on entend? J'ai envie de dire qu'on entend dans le fond tout, si tu entends mais oui et non. Enfin, mais l'émotion se fait sur quelle longueur? Sur quelle couche, plutôt Non, sur quelle étendue, sur est-ce que tu entends... Enfin, c'est idiot, excuse-moi, comme question. Est-ce que tu entends... juste l'instant, est-ce que dans les 5 minutes, tu entends, c'est beaucoup plus vaste ou tu entends tout le quatuor depuis le début? Non, je pense qu'on n'entend pas tout le quatuor. On entend par la mémoire aussi. Oui, on entend par la mémoire et on entend justement, ce que je disais tout à l'heure, des moments saillants, c'est-à-dire que la mémoire opère par filtrage et on se rappelle de moments saillants qui sont pas d'ailleurs les mêmes pour tout le monde, mais des moments saillants qui font que la mémoire se structure comme ça. On n'a pas une vision panoramique, une écoute panoramique comme on pourrait avoir une vision panoramique avec la musique. C'est un art de la mémoire, oui. La musique, la littérature, tout ça, c'est un art de la mémoire et aussi, un art de l'anticipation. De l'attente. Oui, de l'attente. C'est-à-dire qu'on a des, comme on dit des fois, un horizon d'attente. On a des horizons d'attente qui sont vraiment nourris par la mémoire. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous construit. Si on écoute certaines musiques, on sera dans un état de tension, au contraire dans un état d'attente, mais beaucoup plus passive. On pourra attendre des choses qui, on sait qu'elles vont arriver beaucoup plus dans un futur beaucoup plus lointain. Par contre, on a d'autres types de musique où on attend fébrilement ce qui va se passer, comme si c'était un thriller. Et là aussi, il y a des très beaux passages de Baudelaire sur le rythme et l'attente. Mm-hmm. Je ne sais plus où, je ne veux pas les retrouver tout de suite, mais donc c'est. Mais ce que je voulais dire, ce qui me paraît évident là, c'est que dans ce qu'on appelle la compréhension, à partir du moment où on ne comprend pas tous les mots, c'est là où le langage rejoint vraiment la musique. C'est là où le langage rejoint la musique, parce que moi je suis contre l'idée qu'on comprenne la musique. Oui. Je pense que la musique ne se comprend pas, c'est-à-dire qu'on s'habitue à certaines... Oui, ça n'est pas comme on entend comprendre. Oui. Si tu entends comprendre qu'une chose égale, traduite en sens une autre, mais si tu penses que comprendre c'est... embrasser, c'est prendre ensemble dans tes mains ou embrasser. Tu vois. Alors tu aussi, je sais pas si tu écoutes une œuvre musicale ou un livre, tu peux le voir tout le chemin fou qu'on traçait en entier. Là, il y a une sorte de compréhension par les bras ouverts. Pour moi, c'est plutôt l'ordre du voyage, c'est-à-dire que c'est je le vois pas comme un tout, mais il y a vraiment plutôt quelque chose comme un voyage d'un point à un autre. Une autre chose sur laquelle ça m'a fait réfléchir, c'est sur la voix parlée, donc la voix des acteurs, mais avec la voix chantée, il y a la rapidité avec laquelle on prononce, donc le tempo de la voix. C'est-à-dire la voix n'a pas de tempo, comme tu as dit, mais disons qu'il y a une rapidité. Je voudrais faire écouter deux petits exemples musicaux que j'ai choisis. Un exemple, c'est un exemple dans lequel il y a des chanteurs. Alors c'est un exemple tiré d'un opéra de Wagner, c'est des maîtres chanteurs,
dans lequel, ça m'a toujours frappé, dans lequel la musique qui est derrière ce que chantent les chanteurs dit autre chose que ce que chantent les chanteurs. Et ici, c'est un cas très frappant dans lequel on a une musique extrêmement, pas très lente, mais enfin disons très lente derrière, et on a des chanteurs qui ne sont pas du tout dans le temps de la musique d'orchestre, mais qui vont chanter très rapidement. Et la superposition des deux nous fait comprendre, je ne me rappelle plus de quelle scène il s'agit, mais enfin je me souviens bien, nous fait comprendre que ce que dit la musique dans ce cas-là, c'est peut-être ce que ne peuvent pas exprimer les chanteurs. C'était comme le non-dit, ou comme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en dessous de ce qui est exprimé directement par les chanteurs. Et on va l'écouter, donc on a cette musique d'orchestre très lente avec des chanteurs qui sont dans un tempo beaucoup plus rapide. Oh, ah bah. Cette activité très fébrile de la voix qui contraste beaucoup avec cet orchestre qui lui est extrêmement je dirais tranquille et coulant. Et donc ça ce sont des cas, je pense, que quand on fait de la mise en scène de théâtre par exemple, comment est-ce qu'on agit sur le débit vocal. Je répondrai peut-être un peu à côté de ta question. J'ai travaillé avec Christian Pacou, qui compose des chansons, etc. Et on a fait l'opérette imaginaire. Donc voilà. Et je me souvenais d'une phrase de Brecht qui disait à propos de je ne sais plus quoi, les personnages chantent quand ils mentent. Et moi, je voulais qu'ils chantent quand ils disaient la vérité. Donc je voulais qu'il n'y ait pas du tout... dès qu'on se met à chanter, généralement, dans l'opérette... On se met à chanter, tu n'écoutes plus tellement les paroles, tu te reposes, tu te laisses bercer, etc. Je voulais qu'au contraire, dès que ça chantait, il y a un surcroît d'attention, parce que c'est là qu'ils vont dire... Et pour attirer le spectateur à bien écouter, j'ai mis une note érotique sur la plupart des chansons au départ. Alors, les gens dressaient l'oreille comme si quelque chose avait été révélé, mais donc, voilà, c'est très important. Et je suis très frappé aussi de la... disparition du texte dans les chansons aujourd'hui, c'est assez fascinant. Les textes sont à peu près incompréhensibles. Tu sens vaguement la rime au bout d'un moment. Ensemble, ressemble, voilà, une espèce de bouillie, et puis à la fin, la bouillie, puis, mais c'est chez presque tous, mais c'est ahurissant. Si tu vois, je sais pas. C'est, donc, y a, c'est le recul général phénoménal de la langue comparé avec le recul des glaciers. Enfin, c'est tout à fait le même phénomène. À l'époque du global warming, oui. ça s'impose. Une autre question qui sur laquelle on avait parlé, c'est le moment de la fin. À quel moment on prend la décision que le texte est terminé quand on écrit? Est-ce que la fin est quelque chose qui sur laquelle on tend, c'est-à-dire qu'on a déjà la fin on y arrive, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se révéler au fur et à mesure de l'écriture? Il y a des figures pour finir. Je me montais une petite figure spéciale, par exemple, tout d'un coup, à la fin de l'Origine rouge, où il y avait beaucoup de paroles, à la fin, ils venaient, ils avançaient, ils saluaient, ils disaient encore deux, trois répliques, et puis il y a un acteur qui disait « Je ne m'attendais pas à avoir la parole ». Et donc, c'était tout d'un coup revenir à la solution du théâtre, ou dans le dernier spectacle, Le Vivier des Noms, à la fin,
comment elle s'appelle comment elle s'appelle déjà oui, Annelle Sourdillon vient dire une phrase et quelqu'un lui demande est-ce la dernière réplique ? Non, puisque vous venez d'en prononcer une. Donc on s'arrête, il y a une espèce de disons que le moment de la fin est très émouvant, parce que tant mieux que ça s'arrête quand même, le théâtre, la musique et tout ça, c'est tout à fait, ce serait un supplice à perpétuité. Oui, mais des fois on peut avoir l'idée de la fin dès le début, c'est-à-dire qu'on sait comment ça va se finir. Ah ben sinon, si tu veux, moi c'est, alors je comprends mieux ta question, c'est vrai que lorsque j'écris dans le plus grand désordre volontaire, elle est complètement perdue, et puis à un certain moment, la construction doit apparaître, et j'ai l'idée que la construction doit apparaître en 4 jours, que ça doit aller très vite, qu'elle est dans chaque petite cellule, elle n'est plus qu'à révéler ce qu'il y a dans les petites cellules, et là, je commence toujours par la fin. Ça se termine par ça, après ça change un peu, ça, puis je remonte à partir de la fin. Ça se construit à partir de la fin. Et quel est-ce qu'il y a de temps en temps, un peu ou jamais, d'organisation prédéterminée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plan ? Ou est-ce que ça n'arrive jamais ? Jamais. Jamais. Non, jamais. J'ai eu une image, juste au moment de l'opérette, tout ça, que j'ignore tout de la structure et qu'elle va tout d'un coup apparaître en 2 jours. Mmh. Alors j'ai toujours le modèle un peu stupide des tentes actuelles, de ces tentes, tu sais, les tentes de camping, que tu les jettes et la maison est construite. Mmh. Donc ça doit apparaître miraculeusement en 2 jours, toute la structure. Et jamais, d'un geste. Jamais quelque chose au préalable. Non, ne serait-ce que pour le détruire. Au début, il faut non surtout pas savoir, surtout plus rien savoir, surtout plus tout oublier, je sais pas quoi. Ça commence quand même par une perdition ou par un creusement. Moi, je suis d'une famille du bâtiment, depuis, je sais pas, le Moyen-Âge, donc je sais qu'on commence par creuser. Mmh. On ne fait pas... Donc, le mot de terrassement, ça me plaît beaucoup, de commencer par le terrassement et aussi être terrassé par le travail. Mais est-ce que le début est le début ? C'est-à-dire, est-ce que dans le processus d'écriture, il y a des figures pour le début, une figure d'hypnose. Voilà. J'ai remarqué que la plupart des... beaucoup de pièces du théâtre classique commencent par une énumération. Argan, un purgatif, 6 sous 6 sols, etc., un laxatif, etc. Il faut commencer par énumérer, ou le mariage de Figaro. Figaro mesure sa chambre. Il coûte 8,5, etc. Donc commencer par une sorte d'hypnose pour faire un sas avec le langage qu'on entend à l'extérieur et un peu se nettoyer la cervelle. Mais parce qu'il est pour moi évident que quand je commence à composer, très souvent, je ne sais pas si ce qui est au début du travail de composition sera le début. Ce n'est pas du tout évident. L'idée du début, des fois j'ai un plan, évidemment, prédéterminé, mais il peut très bien arriver que les premières pages que j'écris sur une pièce vont se trouver en plein milieu et qu'ensuite le moment va être déduit. Le moment du début va être déduit. C'est parce qu'il y a une différence, c'est-à-dire entre le temps de l'écriture et le temps des événements. C'est-à-dire et ça, j'ai souvent pensé ça dans la musique traditionnelle, mais la musique classique. Quand on analyse, je sais pas, une sonate de Schubert ou de Beethoven, on dit voilà, ça c'est l'introduction et ça c'est le thème. Mais j'imagine très bien que l'introduction a été écrite après le thème, a été déduite du thème, alors qu'elle est c'est une déduction, mais qui est vue comme une introduction. Mais donc, changer la place change tout. Voilà. La même phrase, 4 pages avant, 4 pages après, complètement dans notre sens. Mmh. Complètement, placer les choses dans l'espace. Mmh. Placer le langage dans l'espace, voir le langage hors de nous. Le langage comme une onde entre nous. Mmh. Une conversation comme une sculpture de mots entre nous deux et pas l'un qui exprime sa pensée ou l'autre. C'est trop mécanique. Mmh. Ouais.